Et salut tout le monde! Alors, tout est bon. Ouais, je me suis dit, je travaillais aujourd'hui sur les commandes à finir. Je me suis dit, bah tiens, allez, je vais les finir en stream. J'ai fini tous les dessins. Normalement, je devrais pas perdre trop de temps. J'ai pas trop stream la semaine dernière, donc on va en lancer un petit cet après-midi. Coucou Thibaut, coucou Orcro, salut Néo, salut Albatar. Bah, bienvenue à tout le monde. Donc vous, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la voix encore plus fracas parce que je suis encore malade en fait. Je sais pas ce que j'ai, mais enfin, ça m'empêche pas de bosser. Donc voilà, aujourd'hui ça va être tranquille, là. Je vais surtout travailler sur la commande de SIC qui est en cours. J'ai fait tous les emotes, j'ai plus qu'à m'occuper de la couleur, donc c'est un petit stream tranquille où j'aurai pas trop d'improvisation à faire. Et coucou Kurozoé, comment vas-tu? Kurozi? Oh, à chaque fois je dis Kurozoé. Kurozoé, Kurozoé, même combat. Donc pour la semaine prochaine, je sais pas encore ce que je vais faire sur les streams de la semaine. J'ai pas prévu de trucs spéciaux, mais il faudra bien que je trouve quelque chose. Mais en tout cas, je suis là. Hein. Donc normalement, je devrais reprendre un rythme normal, sauf si j'ai trop la crève, bien sûr. Salut Joker Whiskey, how are you? Hello. Nickel et vous? Moi ça va, un peu malade mais ça va. Demain grosse semaine, enfin demain j'ai une grosse semaine de boulot qui commence, l'autre boulot. Mais ça va, je dirais pas que je suis impatient, mais j'ai envie de voir ce que me réserve cette semaine prochaine. Peut-être je le regretterai. Hello, I see your partner, Red. No, congrats, man. Thank you very much. I get the partnership 1 month, 1 month ago. It was a hard road to get it. Ah bah tout va bien alors. Ouais, ça va quand même, tout va bien quoi. Ah, j'ai bien bossé aussi, je me suis mis à... Alors, je dirais pas que je suis en avance, j'ai encore des trucs à faire ce soir. J'ai deux emotes à... Enfin, après cette commande, j'ai deux emotes à faire. Et deux emotes à reprendre. Et là, je serai bien pour le planning. La semaine prochaine, je dois travailler sur les emotes de Loan aussi. Parce qu'il y a Loan qui m'a contacté pour faire ses emotes. Le joueur Call of Duty. Voilà, à peu près. J'ai envie de ton anglais, lol, il est catastrophique mon anglais. Hello Layap, how are you? Comment vas-tu Layap? J'aime pas, alors j'aime bien quand c'est des trucs un peu en colère comme ça, faire les ombres des deux côtés. Pour faire la lumière comme si elle arrivait de face, ça rend un aspect plus sombre et plus en colère.
Je sais pas, mais au moins tu sais parler anglais. Voilà, ce qu'il faut, voilà. En tout cas, je comprends ce qu'on me dit, ce qui est important. Et après, ben, on fait ce qu'on peut. Donc, je vais reprendre ça aussi. Ça, je fais de ce côté. Voilà, ça devrait aller comme ça. Donc maintenant, je peux repartir. Mes ombres sur le côté. Et depuis longtemps, je suis entre, on va dire, le cul entre deux chaises. Est-ce que je fais une BD ou pas? Est-ce que je fais une BD ou pas? Et là, j'ai vraiment trouvé le scénario de ce que je veux faire. Alors, je vais peut-être me mettre à faire quelque chose. J'ai vraiment un scénario qui me fait triper. Enfin, tout un concept, c'est plus qu'un scénario, quoi. Alors, tu as beaucoup de commandes dans ces périodes de Noël. J'ai pas plus, j'ai moins de commandes que d'habitude, mais j'ai que des grosses commandes. Enfin, j'ai pratiquement que des grosses commandes. Des commandes de 12, 20, des trucs comme ça qui t'arrivent d'un coup, quoi. Au final, j'ai beaucoup de travail. Voilà. Malgré le fait d'avoir moins de commandes. C'est le paradoxe. Bon, mais je vais en faire bientôt. Lol. Et passe directement sur le site, hein. Passe sur emotetwitch.com. Parce que si tu passes par 5€.com, à part si les moyens de paiement sont mieux sur 5€, mais sur 5€.com, c'est plus cher parce qu'ils prennent une commission. Et moi, j'ai des fois des personnes qui me passent des commandes sur 5€.com, mais je peux pas leur dire ah non, mais j'ai un site où c'est moins cher parce que on a l'interdiction au sein du site de faire de c'est normal, de faire de la publicité pour leur dire tiens, va ailleurs, c'est moins cher. Donc, à partir du moment où une personne m'a contacté, et moi je suis tellement respectueux des règles, en plus je gagne moins parce qu'ils prennent une commission à l'acheteur, mais ils prennent une commission au vendeur aussi. Donc, moi je suis respectueux des règles, donc quand une personne elle me contacte sur 5€.com, ben, je vais jusqu'au bout. Mais là maintenant, hors croc, tu me connais quoi. Donc voilà, si tu passes par le site, c'est les mêmes conditions, hein, mais voilà, sauf qu'au lieu de payer les commissions à 5€.com, ben tiens, tu n'en payes pas du tout. D'accord, tu vois, d'accord. Et ça s'est passé comment le live la semaine de live caritatif hors croc? Donc moi j'étais pas là, j'avais moi-même le live caritatif à faire le samedi en rentrant. J'ai pas pu venir. Lol la yep. Coucou Rafo, comment vas-tu? Bienvenue à toi. J'ai fait le t-shirt gris, pourquoi je l'ai pas fait noir Je changerai les couleurs après. Est-ce que j'ai fait noir sur tous les autres? Non, on n'est pas encore terminé, dame. Elle se termine le 21 décembre. D'accord.
Il faut que je passe. En plus, je peux pas te rater, quoi, puisque tu es dans mes follow. Il faut que je passe hein. La prochaine fois que j'ai un moment. Mais le problème, c'est que voilà, dans l'après-midi, c'est pas possible. Et le soir, je me pose en général. Mais je vais trouver un moment pour passer. Quand même. Ah, mes oreilles! Ok. Non mais des fois je peux passer quoi, même si c'est que l'après-midi. L'après-midi finit tard. Merci Orcro pour le follow. Comment tu étais pas follow Comment ça Orcro n'était pas follow? Être désolé hein. Moi-même je suis follow, je suis pas follow, je suis follow, je suis pas follow. Et merci beaucoup pour le sub, fallait pas en croire. Bah oui t'es pardonné voyons. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, faut que je fasse le tri dans les chaînes que je follow parce que des fois c'est la pagaille. Il y a beaucoup de chaînes que je follow où je ne suis jamais allé. Donc il faut que je refasse un peu de ménage. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il faudra aussi que je fasse des ménages dans les auto-hosts. Je jette un œil. Ce qui me semblait quoi. Faudra que je vire des autos, c'était quoi. Tête de con. Alors, c'est ça, oui. J'aime pas follow pour dire que je l'ai fait. Je suis quelqu'un de pointilleux là-dessus. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, c'est important d'avoir une liste propre. Parce que quand tu vois ta liste. Bah, moi, je vais regarder des streams principalement, on va dire, dans 80% des. Même plus. Presque dans 100% des cas, je vais voir des personnes que je follow. Et si dans la liste, c'est la pagaille, bah, c'est. Au final, voilà, je ne m'y retrouve pas et je vais toujours regarder les premiers streams de la liste. Donc, non, il faut que je fasse le ménage. Et coucou, Elve, comment vas-tu? J'ai failli pas te voir arriver. Je vais l'enlever de suite. Ça me tire le pin, ça se auto-host. Ça me gêne. Faut que je l'enlève tout de suite. Je suis auto-host à une chaîne. Et ça me plaît pas du tout. Je sais même plus où c'est quoi. Est-ce que c'était pas par là? Non, c'était dans le chaîne. Non. Paramètres chaîne, voilà, c'est ici. Hop. Liste des hosts. Et toi, tu dégages. Ça t'est fait.
Bien et toi? Ben moi je suis encore un peu malade, donc mais sinon ça m'a pas empêché de bosser. Donc ça va, c'est malade mais pas trop. Enfin on va dire pas 100%, voilà. Ça c'est ok. Alors j'ai réagencé mes postes de travail. C'est franchement mieux. Beaucoup mieux pour voir le chat, beaucoup mieux pour voir avoir du recul sur ce que je suis en train de faire. Je suis content là. Je me suis mieux organisé le plan de travail. Je vais faire de la meilleure cuisine là. Enfin peut-être. Alors, les flammes, c'est là qu'on rigole. Et on va les tirer. Coucou Zessieux, comment vas-tu? Beaucoup de place pour les flammes. Voilà, on a notre premier qui est terminé. Enfin, premier, c'est pas le premier que je fais. Alors, je vais mettre un peu plus petit les images de texte. Ils sont là. On va essayer de les rassembler. J'ai oublié le chat. Donc il y a 5 emotes, alors il y a 6 emotes texte, il y a 2 emotes avec un perso et 3 emotes perso et texte. Et après j'ai les badges à faire, les badges je les ferai plus tard, je les ferai peut-être pas aujourd'hui. J'ai encore les badges à faire, c'est une commande pas toute petite quand même. Je vais faire le yo. Donc je les ai travaillés, j'ai travaillé sur les emotes cet après-midi. C'est pour ça que j'ai déjà mis la couleur sur tous les concepts.
Il faut pas que j'oublie la barbe, mince. J'ai oublié la barbe. Mata, pourquoi tu es pas là? J'ai oublié la barbe. Chaque fois c'est pareil quoi. La barbe, quand je la fais pas dès le début, après j'oublie direct quoi. Ça doit être bon. Toujours que j'en oublie un morceau. Hop. Donc il y en a 5. Hop. Et 3 en haut. Là, je vais pouvoir même faire les exports. Je vais les mettre en miniature à gauche, petit à petit, pour décorer. Salut Rafi, comment vas-tu?
C'est pour Killimot, c'est pour Sik. Siik. C'est un streamer français. C'est tellement rare. J'avais fait les croquis en live mercredi. Donc je me suis dit, bah allez, on va faire le reste des concepts en live aussi. Comme ça, la boucle est bouclée. Alors, faut pas que j'oublie la barbe ce coup-ci. Ça va, j'ai oublié une fois, je devrais pas oublier deux fois. Je le dis, mais je le crois pas un instant, quoi. Non, ça va, je vais pas oublier là. Je vais pas oublier parce que j'y suis à la barbe. Hop. La voix de la maladie, bonjour. Coucou Maro, comment vas-tu? Non, c'est ma voix habituelle, c'est le micro qui déconne, voyons. On a notre yo. Ça va, j'ai fait un draft Magic IRL ce matin, c'était bien. Ce matin? Un draft le matin? Mais attends, les soirées Magic, c'est le vendredi soir. Tu vas des fois dans les salles, enfin les endroits où il y a des tournois, enfin où il y a le, je sais plus comment ils appellent ça, le Friday, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, tous les vendredis soirs, il y a les tournois. Un peu partout en France. Et le dimanche matin, d'accord, ils font un draft, ok. Ouais, c'est l'occasion de vendre des boosters. Lui aussi, je vais le mettre en miniature. Yep. Mais j'étais bien rentable vu les cartes que j'ai eues. Déjà, j'ai eu un terrain qui vaut 30 balles. Ah oui, cool. Bon, un double, j'imagine, hein, puisque forcément, s'il vaut 30 balles, ça doit être un double. Alors, là, c'est aussi un que j'avais préparé en live. Bah, c'est le dernier d'ailleurs. On avait fait. Ah non, j'avais fait le easy aussi. Ah ouais, je vais faire le easy d'abord. Ah ouais, mais le easy. Ouais, je vais faire le easy d'abord. Il était rigolo celui-là. Même si celui-là est avec du texte. Ah, il fait peur quoi.
Il fait peur, mais c'est ce qu'il est. Je pense que c'est ce qu'il fallait, quoi. Mais il fait peur. Ok, à tout à l'heure, Maro. Il n'y a pas de souci. C'est ça que je voulais faire. Après, alors, petit problème ici.
ça c'est bon. Yo dame, il n'y a pas un œil plus noir que l'autre. Coucou Régis, salut Joël. Un œil plus noir que l'autre. Tout à fait. Comment ça se fait? Je devais pas avoir pris le bon. J'étais pas sûr du noir tout à l'heure. Maintenant, on va couper une partie de l'imote, comme ça avait été décidé mercredi. On avait dit qu'on le mettrait dans le coin comme ça, pour laisser la place au texte. Même voilà. Eh bien, ça va pas mieux. Et merci pour le host, Joël. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Loupé. Ça c'est bon. On va faire les exports. Ben, je te remercie. Là, c'est une commande pour d'Emote pour un streamer FR. Donc c'est pour Sick. J'avais un paquet d'emotes à lui faire quand même. Et là je termine la série. Alors, je crois qu'il est joueur pro chez dans la team YP. C'est pour ça qu'il y a un peu de rose pour un rappel à la team. Et 112. Ok, je vais pouvoir passer à l'IQ. Un petit problème avec un trait qui me plaît pas. Là, ça va un peu mieux. Et coucou The Devastateur. Salut aux arrivants. Ah, tiens, on va baisser un peu la caméra.
Hey, Astéo, comment vas-tu? Oh, il est joli le Papa Noël. C'est une photo ou un dessin? Je vois pas bien. Ah ben ça va bien, je te remercie. Ça va bien. Je sais pas, il est gratuit. Ah, c'est un. Sérieux, c'est un global. Ah oui, c'est un global. Oui, il y en a beaucoup. Je les avais pas vus, moi. J'avais pas vu qu'il y avait des nouveaux globales. Eh bien mon grand, les joies de la maladie ont eu un effet sur toi. C'est pas fini quoi. Faire attention. Faut pas trop que je rigole, parce que si je rigole, je vais partir en quinte de toux. Faut que je fasse attention à pas rigoler. C'est quoi les giveaways? Pourquoi? Il y a marqué giveaway quelque part. Ça, j'ai peut-être pas enlevé le message. Non, normalement j'ai tout mis à jour. J'ai pas mis à jour les infos. Non, sérieux, j'ai pas mis à jour les infos. Ça doit être ça. Attends, 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 attends. Je dis ça, mais ça se trouve non. Si j'ai pas mis à jour les infos, ça craint. Non, non, ça va, j'ai mis à jour les infos. C'est juste une question comme ça, je crois. Ouais, les giveaways, pour répondre à la question de tout à l'heure. Ouais, non, non, ça va, j'ai vu STO. Sur le coup, j'ai eu le doute, quoi. C'est parce que le vendredi, je peux pas trop passer, c'était une question. D'accord. Non, parce que comme souvent, j'oublie de mettre à jour les messages, je me suis dit, ça y est. Je me suis encore manqué quelque part. J'ai encore fait n'importe quoi. Coucou Shadow. Alors, les giveaways, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est une activité pro en fait. Les gens ils viennent sur mon site, je mets le lien, ils passent commande. Donc voilà, je réalise contre monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. Enfin, comme on disait. Et le vendredi, bah, je permets d'en gagner en fait. Donc tous les vendredis, je lance le giveaway, tout le monde s'inscrit, c'est ouvert à tout le monde. Donc les personnes s'inscrivent, un petit quart d'heure, 20 minutes après, je fais le tirage et la personne qui est tirée au sort me dit ce qu'elle veut et j'ai 1 heure pour le réaliser. Tu es trop parfait pour faire une bêtise, ouais, avec le kappa qui va bien derrière. Il est horrible ce kappa, il fait peur quoi. Il fait vraiment peur ce kappa. Donc voilà, les dents c'est ok, faut que je fasse les yeux. On va faire un œil vert, un œil rouge comme le kappa. Un, deux, voire trois max, ça tourne souvent, un ou deux? Non, non, ça tourne un. Non, non, en ce moment c'est un quoi. Ça, en ce moment, j'ai un peu moins de temps, donc j'évite d'en faire trop, quoi. C'est vrai que j'en ai fait gagner jusqu'à 3 sur des vendredis. Mais en ce moment, ouais, j'en fais qu'un, quoi. Alors, parce que le vendredi, je rentre un peu tard des cours, du coup, il y a des moments où je peux passer, des moments... Ouais, bon, après, je fais ça à 22 h. Le tirage en général est à 22 h 20, un truc comme ça. Et voilà. Et donc c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 5 mois que je fais ça quand même. Faut que je pense à faire autre chose quoi. Faut se renouveler un peu.
Mais non, c'est parfait comme ça. Lol. Non, mais il y a bien un moment où il va falloir que je fasse autre chose, quoi, pour changer. Voilà, le samedi, on va faire gagner 3 emotes et on va appeler ça la trilogie du samedi. Non. Oh putain. Ça existe déjà, mais ça. Et non, et je peux pas faire le giveaway du vendredi un samedi, sinon ça marcherait plus. Ah, il faut que je change le titre aussi? Non, ça va pas le faire. Tu as quel âge? Oh, beaucoup. Je sais pas. À ton avis, tu dirais quoi? Oh. Au moins 50. Oh, mais non, pas toi. Alors, je compte bien gagner et faire plaisir à une petite streameuse. Je me demande bien qui ça peut-il bien être. Oh, il est trop gentil, ce dévastateur. Il est trop gentil, ce dévastateur. Ah ouais, non, je suis. Même si tu inverses les chiffres, Joël, moi j'ai plus que ça. L'année prochaine, si tu inverses les chiffres, voilà, ça fera ce que j'ai actuellement. Ouais, je connais, moi je sais bien que je connais. Je vois bien qui ça peut être. Où j'en suis, moi? Toi, t'as fait 35 ans? Non, 30. Quoi, 51 ans? Mais non, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est 41. Là, c'est 31. L'année prochaine, c'est 41, si l'inverse. Pas 51. 51, c'est le pastis. C'est pas mon âge. Tard, c'était bien parti, quoi. T'es plus jeune que moi, 46 ans. Oh, pff. De toute façon, passé un certain âge, jeune, pas jeune, y a plus, ça n'existe plus, quoi. On a tous le même âge. Ça, c'est les vieux qui le disent. Ah ouais, c'est les vieux qui disent ça? Mince. Non, moi, je le dis pas. Moi, je suis jeune. T'as le même âge. T'as dit quoi? Eh bien, j'ai 12 ans et demi, vous êtes tous vieux. Ouais. Le jour où tu auras 12 ans et demi, tu seras bien content. Non mais c'est quoi ces gens-là qui se donnent des âges Ah, allez, c'était bien parti là, on m'avait donné 30 ans, mince. Arrête, allez, on parle plus d'âge là. Bon, quoique, 30 ans c'était mal parti, hein, parce que je me considère pas avoir 30 ans quoi. 30 ans c'est vieux. Bon, concentration, emote. Cent quarante-sept de quotient intellectuel. Ah ouais, ça aussi je le disais souvent, Shadow. Ouais, faudrait que je le redise en fait. Ouais, j'ai quel âge? Ouais, 21. Ouais, j'ai 21 ans. Depuis 20 ans. C'est bien ça, voilà. J'ai 21 ans depuis 20 ans. Oui, bon, Je me c'est suis pas. arrêtée à 21 ans. Ah oui, je me suis arrêté de compter à 21 ans, voilà. Allez, c'est bon pour celui-là. Les contours blancs, ça se démarque un peu, et c'est tout bon. Hop.
derrière. Et je fais mes exports. Après, il me reste quoi? Le Easy, je l'ai déjà fait. Je l'ai pas exporté. Ah si, le Easy est déjà fait. J'ai le Karma qui est pas fait. Karma et quoi? Ah bah j'ai plus que le Karma. Et je suis allé bien vite. Mince, j'ai déjà tout fini quoi. Je vais devoir faire autre chose. Et bien, qui est donc ce streamer pour qui tu fais des emotes? C'est... Sick. Wow. Sur le coup là, je savais plus. C'est S-I-I-K. Je crois que c'est ça. S-I-I-K. Me semble. Ouais, c'est ça. S-I-I-K underscore. Hein. Alors. J'ai fait de ses yeux de chien battu, là. Hello Optimal Ultra, I sent you a message on Fever, by the way, I am Gavin. Hello Gavin, yes. We discussed about some emote. Not today, yesterday. Yes, yesterday, and I know today too. Ah oui, yes, for the rip emote. when you told me you wanted 112.png emote, it was quite fun because. All the emote on the pictures were called 112.png. Fait ma sélection comme il fallait. Oui, I don't speak English so often because it's quite catastrophic. So I prefer to speak French. But don't worry, you can speak English in the chat. I will understand. It's okay. Ajouter quand même une pointe de bleu. Je crois que je l'ai fait trop. Je pense que celui-là ne lui plaira pas. Si vous voulez pas des trucs trop mignons, et celui-là il est un peu mignon quand même. Mais s'il plaît pas, je ferai autre chose. Hein. Salut MaxGo, comment vas-tu?
Bah, ça va, regarde, petit dimanche tranquille, je fais des petits emotes sur l'après-midi, c'est assez rare. Je fais quoi d'habitude d'ailleurs le dimanche? Et coucou Nathan, salut à toi. Ouais, je fais des emotes le dimanche quand je stream, je sais même plus ce que je fais d'habitude le dimanche. Je stream tellement pas souvent le dimanche. Et là, j'ai pas stream hier soir. Alors, je me suis dit, je vais quand même en lancer un hein, cet après-midi. Ce serait dommage de pas en faire cette semaine. C'est là, c'est que j'étais tellement malade aussi. C'était pas trop ma semaine, quoi. Ok, alors hop, on va juste donner le petit coup de airbrush. On va regrouper tout ça. Et on rajoute le texte. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va. Tu as chopé un bon gros rhume? Bah, pas tellement rhume, je sais pas. Enfin, ça a été compliqué, quoi. Ça a commencé mardi quand la soirée, je me suis pris un rhume des foins. Je fais qu'éternuer toute la soirée. Et comme j'ai éternué fort, le lendemain, j'avais la gorge qui était complètement irritée. Mais c'est peut-être un début d'angine, je sais pas. Après, j'ai commencé à tousser. Enfin, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les étapes dans la semaine, quoi. Ben ouais, mais j'étais pas malade. Enfin, pas trop. Alors, j'étais vu jouer sur un jeu, mais j'avais pas eu le temps de checker Kezako. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que tu diversifies ta chaîne. Bah, j'ai toujours joué, enfin, j'ai commencé même à faire des streams de jeux, hein, puisque en 2000, c'est à chaque fois j'oublie, c'était 2013, tout 2013, je streamais du Minecraft sur Millennium. Et là, donc, cette semaine, j'ai stream deux jeux. Vendredi soir, j'ai commencé la soirée en streamant du X4 Foundation. C'est un jeu de gestion, exploration, combat. Enfin, c'est très riche dans l'espace. Et après le giveaway, j'ai fini la soirée sur Artifact. Donc un trading card game, un peu comme Magic par exemple. Eh ben, je suis à la masse. Non, ben, ça va. Après, il y a peu de personnes qui me suivent aujourd'hui, qui me connaissaient à l'époque. J'ai peur qu'il soit pas assez lisible. Qu'est-ce que ça fait si je rajoute? Non, c'est pas top. J'ai peur qu'il passe pas en fait. Non, il fait karma quand même. Hein. Bon, on verra ce qu'il en pense. Non, non, il le fait en petit, il est lisible. Bon, on va voir. Donc au final, j'ai les badges à lui faire. Hein. J'ai 5 couronnes à faire et je les ferai hors stream parce que faut que ce soit fait super propre. C'est pas les badges, c'est pas comme les emotes, où les emotes c'est vraiment du dessin. Les badges, j'essaye toujours de faire ça très propre et enfin, le plus propre possible. Et en stream, je suis pas assez concentré des fois, donc je vais éviter. Si tu veux guérir plus vite, demande à Madame Dame un bisou magique. Non, c'est Madame DSN. Une petite tisane pour papy. Merci. Maintenant. Un vingtenaire.
Il y a du miel dedans et du rhum. Et celle-là? Ah non, il n'y a pas celle-là, ça va. Merci. Allez, on va faire les exports. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Alors après, j'ai des petites corrections à faire. Je vais faire de suite. Eh bien, mille excuses, Madame DSN. Ça va. Alors, déjà, première correction, j'ai fait un bel emote hier pour quelqu'un qui m'avait dans son mail indiqué qu'il voulait la main d'une certaine façon, qu'il voulait la casquette sur la tête. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la casquette et j'ai pas fait la main comme il m'a demandé. Ah ouais, la totale. Donc j'ai pas mal à reprendre dessus. En plus, il y a des trucs qui me plaisent pas. Je vais reprendre vraiment complètement à zéro la couleur. C'est pas grave. En plus, j'avais oublié des traits, quoi. C'est quoi ce bruit? C'est pour moi? Donc, si tu peux faire moins de bruit, ça serait parfait. Parce que si c'était pour moi, j'aurais rien dit. Non, ça va. Alors, on va dire que c'est la faute de la vingtaine, moins concentrée, tout ça, tout ça. Des cadeaux pour nous. Oui, Shadow, bien sûr, Shadow. Coucou Carnage, merci beaucoup pour le host. Salut à toi. Alors, la main, je peux tout gommer parce que c'est pas du tout ce qu'il a demandé. Et les cheveux, c'est dommage, ils étaient beaux, quoi. J'étais fier. J'étais fier de la tignasse. Ah ouais, la casquette, par contre, alors attendez. Il faut que je vérifie la commande. Je vais pas la mettre sur cet écran. Faut que je vérifie la commande parce que je me rappelle plus si je devais faire la casquette à l'endroit ou la casquette à l'envers. Et merci beaucoup Orcro pour les cheers, mais tiens fou. Un vrai professionnel a toujours besoin d'être soutenu. Bon courage et merci de partager ton expérience. Ben merci énormément Orcro, mais il faut pas quoi. Ben c'est très 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 gentil. Merci beaucoup. T'as demandé quoi au Père Noël au fait? J'ai demandé une table de mixage pour plus avoir de problèmes de son. Parce que j'ai toujours des problèmes de son. Et ma table, ma vieille table de mixage, elle est pas compatible avec. Enfin, c'est une table. Enfin, c'était une carte son externe. C'est compliqué. Et elle a des problèmes avec Windows 10. Donc depuis, je m'en sers plus. Et voilà. Oui? Dis-leur ce que tu voulais avant. Et que bah, je le vois encore, non? Oui, mais comment ça s'est passé? Mais non, après ils vont se moquer. Bah, c'est le but. Non, j'avais demandé en novembre, j'avais dit à Madame DSN, je lui avais dit, si tu veux me faire un cadeau, bah, offre-moi le coffret Blu-ray de Kaamelott. Je l'avais dit en ouais, début novembre, un truc comme ça, je pense. Et donc, le temps passe, les jours passent, les semaines passent. Yo, ça va bien, ouais, merci beaucoup Carnage. J'espère que ça va bien toi aussi. Coucou. Donc, les jours passent, les semaines passent. On finit novembre, on arrive en décembre, et on arrive même loin en décembre. On est le 14 décembre. Ah, non, c'était en début de semaine? Ah, je croyais que c'était vendredi. Donc, et ce lundi, quand Madame DSN rentre le soir à la maison, je lui dis, eh ben, j'ai une idée. Laisse tomber le coffret Blu-ray de Kaamelott. Je veux autre chose pour Noël. Ne me prends pas ça.
Et là, madame DSN, elle me dit, ben en fait, là, je reviens du magasin, je viens d'acheter le coffret Blu-ray de Kaamelott. Non, je t'ai pas dit ça, je t'ai fait des yeux. Ouais, ben, mais j'arrondis, je vais pas. Tu m'as Enfin, fait je. des yeux mitraillettes et t'as demandé quoi? J'ai dit, ben, j'ai acheté il y a H-2. H-2, ah ben ça va, tu pouvais encore le rendre. Tu fais quoi exactement? Je dessine des emotes pour, donc j'ai des, pour des commandes. J'ai des commandes de dessin. Et là, je les réalise en live sur le stream. Et Voilà, alors, du coup, voilà. ça fait une semaine que tu voulais me le dire. Oui, par contre, ça faisait une semaine que je voulais lui dire de ne pas me prendre le coffret. Et ça, par contre, ouais. Mais c'est bien, je voulais quand même. Hein. J'y avais Oui, non, c'est dit. pas le problème, mais c'était vraiment le jour où tu le dis, pif, quoi. Ouais. Ouais, sacré monsieur, ouais. Bon, allez, concentré maintenant sur le dessin, parce que après, je sais plus ce que je fais. Donc, j'en étais à regarder la casquette. Il faut que je retourne sur la commande pour retrouver la chaîne du monsieur. Ici. Et je vais juste voir. Je crois que la casquette. Oui, la casquette, il y avait un M dessus. Je me rappelle maintenant. Sauf que je vais pas lui mettre un M sur la casquette. Ouais, c'est ça, il a la casquette à l'endroit. Bien, on va essayer. On va essayer d'arranger ça. Va le baisser un peu. Hop. La casquette, c'est que ça prend un peu de place. Ah, dans 30 ans, vous serez les Raymond et Huguette de Twitch. C'est Salade Tomate Oignon qui a dit ça. Il va prendre cher, c'est ça? Dans 30 ans, mais t'es fou, on est déjà les Raymond et Huguette de Twitch. C'est en tournage? Coucou à toi, Dani, comment vas-tu? La petite casquette. C'est dommage, parce que le gars, il stream à. Il stream souvent avec la casquette, mais il stream aussi souvent sans la casquette. Je trouvais que c'était plus sympa sans la casquette quand même. Après, c'est lui qui choisit. Ok. Allez, on s'en va les cheveux. Merci. Tu stream encore longtemps, je dois vite m'absenter. Oh, pas plus tard que 19h. Probablement un peu avant. Mais voilà, 19h vraiment dernière limite. Donc là, je fais style que j'ai bu tranquille. En fait,
C'était pas tranquille du tout, quoi. C'était trop chaud. C'est acting. Je bois. Ah, c'était bon, hein. Je passe à la tasse. Je me suis cramé, mais je fais style que rien du tout. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée si je n'arrive pas à passer avant et au plaisir. Ben, bonne soirée en tout cas. Ça m'a fait plaisir de te revoir sur le stream, salade, tomate, oignon. Moi, je suis pas sûre. Hein. Ça y est, elle tombe encore. Hein. Et je te dis ben, à très bientôt. Coucou Mata, comment vas-tu? Alors, ça c'est fait. Après, la main. La main, c'est pas compliqué. Si j'y fais les doigts comme ça. Voilà, j'ai fait le doigt peut-être un peu grand. Oula. Voilà, comme ça va bien. Et coucou Weasel, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, tu as l'air malade. Ouais, j'ai les yeux, c'est horrible. Oh là là, les yeux que je me paye, les cernes. Enfin, comme d'hab, mais un peu plus. Ouais, je suis malade. Mais bon, comme j'ai des commandes, je suis obligé de les faire, quoi. Je peux pas me reposer. Bah oui, je pourrais me reposer, mais le problème c'est que voilà, il y a des délais quoi. Bon, par contre, je suis pas obligé de stream. Mais si je streamais pas, j'aurais glandé, j'aurais pas dessiné, donc je me suis dit, allez, je vais lancer le stream. Comme ça, je serais obligé d'avancer. Ça va tranquillou, on prépare le départ en vacances. Ah ben excellent. Vous allez partir de où? Vers où? Tu parles du nez surtout? Ouais, c'est pas tellement que je parle du nez. Enfin, un petit peu encore, mais je suis pratiquement pas enrhumé, quoi. Je suis pas beaucoup pris du nez, mais c'est la gorge. J'ai encore la voix bien massacrée, en fait. De Amiens vers Tarbes, d'accord. Bon, en tout bon géographe que je suis, je ne serais pas capable de placer Amiens et Tarbes sur la carte de France. Tarbes, c'est vers Toulouse. Ah, Tarbes, c'est vers Toulouse. Ça me revient là d'un coup. C'est une petite voix dans ma Toulouse, tête. c'est plus grand nom, mais c'est par là, quoi. Voilà. Donc voilà, mais Tarbes, c'est le sud-ouest. Hein. Et Amiens, ben, c'est ailleurs. Il y a une belle cathédrale à Amiens, d'accord. C'est genre bientôt un an que j'ai pas vu la famille, donc on passe quelque temps. Ben ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, hein, ça fait. Allez, on va dire, ça doit faire à peu près un an que j'ai pas vu mon père. Faudrait que je pense à aller le voir, quoi. Surtout qu'il habite dans la même résidence que moi. Non. Je plaisante, je plaisante. Mais il habite vraiment dans la même résidence que moi. Non mais après moi ça me dérange pas de sortir, c'est sortir dehors que j'aime pas. Ah oui, voir des gens c'est le pire. En gros Amiens c'est dans le nord, genre 1h30 de Calais et Tarbes au sud à 40 minutes de l'Espagne. Ah oui, ça fait. Oh, ça doit être tellement mal desservi par le train en fait.
Ça doit être pas mal, se le frapper en train. Bon, là, vous allez pas le faire en train, je suppose. Mais ça doit être pas mal, ça, du nord vers le sud-ouest. Encore maintenant, il y a le TGV, il y a le Ah, Paris-Bordeaux. c'est un TGV. Ouais, mais il n'y avait pas le Paris-Bordeaux avant. Genre, ça fait pas crédible de dire qu'il est trop loin. Oui, ça fait pas crédible. Allez, je vais refaire la couleur. Donc, je vais tout reprendre hein, sur celui-là. Je garde pas ce que j'avais fait avant. Je garderai les lunettes, par contre. Il faudra que je les remette au bon endroit. Mais voilà, pour toute la couleur, je reprends tout à zéro. C'est pas grave. Maintenant, il y a Paris-Tarbes en direct, donc c'est pratique. Merci Lourdes. D'accord. Ok. Ça va, c'est toujours chaud, mais ça va. Maintenant, c'est buvable. J'avais fait les yeux de quelle couleur? Hop, on va faire la pipette. Pour récupérer la couleur. Et j'avais fait les cheveux, hop, de cette couleur. Bon, comme je suis certain qu'il va me dire de rajouter. En général, c'est toujours comme ça, quoi. Une fois que le dessin est fait, on me dit, ah, est-ce que tu pourrais rajouter sur la casquette, donc on va rajouter initial, hop, du streamer. Voilà, comme ça, c'est fait. Et on s'embête plus. Alors, hop, on va passer aux ombres. Hey, how are you? Salut le cas du Bronx. Pourquoi tu parles anglais? Pourquoi tu parles anglais? Pourquoi le how are you? Bon, à la rigueur, ça aurait marché avec n'importe qui, mais avec ton pseudo, ça peut pas marcher. Ça va bien. Un peu malade, mais ça va bien. Merci. J'ai oublié de faire les couleurs aux yeux. Enfin, le blanc des yeux. Et c'est toujours bien de changer. Oui, mais non, il faut pas changer. Après, moi, je me perds, quoi. Je ne sais plus quand il faut parler français ou anglais, quoi. Et là, en plus, j'avais trop le doute, le cas du Bronx, quoi. Là, j'ai dit, mince. Je lui ai dit qu'il savait parler français, mais en fait, si ça se trouve, il parle vraiment qu'anglais. Mais c'est pas possible. Il a un pseudo tout en français. Tu m'as trop fait stresser, là. Ça, c'est Sandrine. Oh mince. J'ai des choses.
Bon alors, mon dessin, il faut qu'il avance là. Il va pas se faire tout seul le dessin, quoi. C'est toujours un plaisir de te suivre, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, même si je la vois un peu fracas là aujourd'hui. C'est bon, aujourd'hui. J'ai un peu la voix. Et je parle pas beaucoup, justement. J'ai peur de me mettre à tousser, à trop parler. Hier, j'ai fait une petite illustration, mais je peux pas vous la montrer. J'ai fait une petite illustration pour la semaine prochaine. Je vous montrerai ça vendredi. Enfin, dès qu'elle aura été tweetée, je vous montrerai ça. Donc, je me suis bien amusé à la faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petits trucs comme ça. Une petite illustration amusante. Et ça serait épique. Hein. On va éviter. On va éviter. Ou au pire, je coupe le micro. Hein. Le petit coup de brush. C'est bien, au moins il a pas de barbe. J'ai pas de barbe à lui faire, pas de moustache, juste les lunettes. Tu vois, Mata, tout à l'heure j'ai enregistré un dessin, j'ai oublié de faire la barbe parce que tu étais pas là. Désolé, je suis en mode radio depuis le départ. Pas de souci, Razi. Merci beaucoup pour le bot sur le. Merci pour le temps passé à mettre en place le bot sur le Discord. C'est gentil. Compte de bot qui marche pas comme je veux. Ah mince. Ah, si tu te le fais pas toi-même le bot, en général, ouais, tu es encore dessus, tu m'étonnes. Je vais finir par le faire le bot. Et merci Loca du Bronx pour le host, merci beaucoup. Oh, hello Lucia, how are you? Merci Carnage. C'est ça. Et voilà, commande effectuée. Ben merci beaucoup, Orpro, c'est très gentil. Donc je ferai de mon mieux pour que ce soit livré avant Noël.
Là, j'ai deux grosses commandes encore à livrer avant. Et après, j'ai des petites commandes. J'ai une commande pour... j'ai oublié. C'est un streamer de... Ah, il est dans une équipe pro. Attendez, je vais juste vérifier. J'ai oublié les deux commandes que j'ai à faire. Voilà, j'ai celui-ci. Et il joue chez qui, celui-là? Donc lui, il est américain. Non, mais c'est pas lui la grosse commande. Je mélange. C'est un français. La grosse commande, et je devrais le voir, il est certifié. Il est là. Hop. Il est certifié sur Twitter. Dignitas, ok, Team Dignitas. Donc j'ai un joueur qui m'a fait une grosse commande, un joueur de la Team Dignitas. Et il fait quoi? Il joue à quoi? Un Rocket League, voilà. Un joueur Rocket League de chez Team Dignitas. Et après j'ai Loan, le pro player de Call of Duty. Loan à faire. Twitch rejected the God of Fuck Out one. No problem. I will. If you have another ID for it, I will change it. I was not sure if it was acceptable or not, so they rejected it. But no problem. I will do something else. Just tell me what you need instead of it, and I will do it. No problem, Lucia. Prends ton temps, ça presse pas les fêtes, ça passe avant tout en famille, pas sur un écran. Oui. Mais bon, tu sais, je suis maniaque des délais, malheureusement. J'aime bien faire les choses telles que je les annonce. Et donc, j'aime pas faire traîner, quoi. Je suis anti-procrastination dans le travail. Donc, voilà. Yeah, no problem, Lucia. I often do it when an emote is rejected, so don't worry with it. Just tell me by message what you want instead of it. It's absolutely no problem for me. Don't worry. Les bookmakers te prennent gagnante pour la semaine. Lol, Danny, il est fou. Alors, Twitch a d'énormes problèmes en ce moment. Les diffusions ont tendance à ce que. C'est catastrophique en ce moment. Et moi, j'ai du mal. Alors, je sais pas s'il y a eu des changements sur Chrome qui font que. Il y a des problèmes à se connecter, mais j'ai des problèmes à me connecter. J'ai des gros freezes sur les streams et ça vient pas du streamer. Mais je sais que ça vient pas de ma connexion, hein. J'ai la fibre et tout. Je sais que ça vient de Twitch. Il y a des fibres, il y a des streams qui sont coupés alors qu'ils continuent chez le streamer, hein. C'est uniquement chez la personne qui regarde. Il y a des pertes de flux. Enfin, c'est. Ouais, c'est en ce moment, c'est. C'est bizarre. Ça leur arrive. Ouais, les écrans noirs sans arrêt. Ouais, complètement. Ben, on va dire une fois sur cinq, quand je vais sur un stream, en ce moment, j'ai le stream direct. Une fois sur cinq. Toutes les autres fois, j'ai l'écran noir pendant 30 secondes et après j'ai le stream. Et il y a des streams sur lesquels je suis, ben, aléatoirement, d'un coup, pouf, écran noir. Voilà. Ouais, en ce moment, ça déraille à plein tube. Pour ma part aussi, sur l'appli, j'ai dû la désinstaller, la réinstaller une fois. Ah ouais, donc c'est des histoires de serveur, au final. Si ça le fait, c'est pas Chrome, c'est pas l'appli, c'est des problèmes de serveur. Et merci beaucoup, Samarium, pour le follow. Coucou à toi. Merci beaucoup. Eh, coucou, Mister Coco, je t'avais pas vu. Mais j'ai même pas dit coucou à Régis aussi, je crois. Ouais, j'ai la fibre aussi. Ah, c'est fou, hein. Donc j'en étais à lui ajouter des ombres. Bon, après,
tant qu'au final ça marche un peu, tant mieux, parce que si ça voulait plus marcher, ben, je serais obligé de regarder la télé. Et ça, c'est hors de question, quoi. Non, mais regardez la télé, quoi. Ça existe encore en 2018, des gens qui regardent la télé? Salut Jérôme, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le petit coucou vite fait, qui fait longtemps plaisir. J'allais dire qui fait vite fait plaisir, c'est pas gentil ça. Non, non. Vite fait ou pas vite fait, ça fait toujours plaisir quand vous passez. Donc merci beaucoup, Jérôme. Enfin, quand vous passez, je te vous vois pas, je disais en général. Alors, hop, on va mettre ça ici. On va rajouter un petit effet sur le P. Un petit effet sur le P. Il y en a qui vont se poser des questions là. On va golder tout ça. Je vais le remonter parce que derrière les ombres, faisait moyen. Voilà, comme ça je vais remettre les lunettes et ça va être bon. Bon, j'espère que par contre il me dira pas, ah ouais, le P c'est sympa, mais je préfère la casquette avec le M. Mais ton pseudo c'est avec un P. Ça, s'il me dit ça, je suis dégoûté quoi. Si j'essaye d'innover, je vais y mettre un P, il s'appelle Playmo, je vais y mettre un P. Alors il s'appelle pas Playmo comme le groupe, hein, attention, c'est Playmo comme les Playmobil. Ça aurait pu être Playmo comme le groupe, mais non, c'est pas le cas. Alors, hop, ça on cache, je remets les lunettes, merge, hop. Je remets le dessin et on va maintenant adapter les lunettes. Comme j'ai un peu réduit la taille. Peut replacer. Et on va combiner le tout. Et voilà. L'image est corrigée. On va essayer de gagner un peu de place sans couper les bords. Voilà, je suis au maximum là. Export V2. Ensuite. 56. Comme ça, je lui enverrai tout à l'heure. En espérant ne pas m'être trompé ce coup-ci. Ce qui est possible. Alors, ensuite, il faut que je rouvre la commande de Kirel. Commande de Kirel, où est-elle? Non, ça c'est Lucia. Ça c'est Gamix. C'est Dova. Je vais y arriver. Elle est là, Kirel. Voilà. Alors. Elle était inquiète et à juste titre, je pense. Elle était inquiète à se dire peut-être qu'on verra pas. C'est trop clair. Et je pense qu'elle a raison. On va garder les mains. On va garder le cœur. Mais je vais mettre le faisceau, je vais le mettre vraiment à la DBZ, je vais le mettre bleu. Je vais grandir les mains aussi. Ouais, je vais grandir les mains. Et coucou à toi, Balbignoc. C'est Twitch qui a des problèmes, j'avais pas vu. C'est confirmé par les développeurs, ils sont dessus depuis 15 jours. Là, franchement, si un gros bug comme ça,
qui sont dessus depuis 15 jours, mais que quand même ça reste assez stable, c'est que derrière il doit faire un sacré taf. Parce que, à mon avis, ça pourrait être plus grave, quoi. Coucou Sandra, comment vas-tu? Donc je pense qu'ils font du bon travail quand même. Même si ça, si c'est pas encore bien au point, le fait qu'on ait toujours accès, moi je dis, c'est quand même bien. Donc on va faire les mains plus grandes. Et pour le faisceau, je vais partir. Je vais partir dans du bleu, parce que le jaune, c'était beaucoup trop clair, quoi. Je vais faire des tests. C'est pas facile quand même de faire un truc avec de la transparence qui fonctionne bien en emote. C'est un peu chaud quand même. Bon, après c'est pas... Elle m'a laissé quand même le libre choix. Si ça marche pas, je pars sur autre chose, mais j'aimerais bien que ça marche quand même. Petit glow dodge, on va rajouter quelques effets. LOL Black Boss, eh oui, eh oui. Bon, je fais genre, ben oui, franchement, mais moi aussi je me suis fait... Enfin, moi aussi je savais pas au début. Donc, pour la sphère, c'est bon, et après je vais faire des petits éclairs autour quand même. Enfin, des petits... Ça suffit. Oh. Donne-moi mon calque. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça donne en petit comme ça? Est-ce que c'est mieux? On va voir. Alors c'est un peu mieux. Mais je me demande si je pourrais pas faire encore mieux. Ça, c'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce que ça donne là? Ouais, on peut l'essayer comme ça. On peut l'essayer comme ça. Au début, un début qui a duré 2 mois. Oh, pas 2 mois. Allez, on va dire 8 semaines, à peu près. Ah, t'as quel âge, Matt? Il te demande t'as quel âge. Ou alors c'est à moi qui demande. Non, c'est pas à moi qui demande. Ah, il commence bas, Black Boss.
Salut Dame, longtemps que je suis pas passé. Il se trouve que tu stream pile quand je n'ai rien à faire. Bah coucou à toi MTDP, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. Après, comme j'ai pas beaucoup streamé la semaine dernière, j'ose pas dire aux gens, oh, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Pour ne pas me prendre derrière des bah oui, bah tu j'étais là mais tu streamais pas, banane. Donc j'évite. Alors j'ai le droit à une bannière gratuite. LOL. Bah je sais pas qui va te faire la bannière. En tout cas, moi je fais pas de bannière. Hey, salut Sangoku, comment vas-tu depuis la semaine dernière? Depuis samedi dernier. Et voilà, Sangoku, franchement. Je suis en train de dessiner un caméa et il y a Sangoku qui débarque. Hein. Si c'est pas fort quand même. Hein. Si c'est pas fort ça. On dirait que c'est fait exprès quoi. Qu'est-ce que ça dirait si je faisais le caméa un peu plus quoi. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal, quoi. J'aime bien comme ça. Elle est plus flashy, quoi. On va essayer comme ça. Je vais lui envoyer comme ça. On verra ce qu'elle me dira. De 28. Si c'est pas assez, je partirai sur un autre concept. Hein. Mais déjà, les mains étaient trop petites, les couleurs pas assez flash. Je pense que ça devrait être pas mal comme ça. En tout cas, en petit, ça rend mieux. Alors, et j'étais occupé ces derniers temps aussi. Content que tu t'occupes des emotes de Loan à l'avenir. Ça va être chouette. Ben ouais, je vais voir si je. Normalement, je devrais faire ça la semaine prochaine. Ça va dépendre de l'emploi du temps. Mais ouais, c'est rigolo parce que moi, j'ai découvert l'e-sport. Comme je disais à Loan, c'est rigolo parce que j'ai découvert l'e-sport avec les vidéos YouTube de. Enfin, les. Ouais, les. Les articles et les vidéos YouTube, donc sur l'équipe avec Diablo, Gotha, Lohan et Agony à l'époque, quand ils faisaient et à l'époque de Brock hein, aussi, quand ils étaient sur Call of Duty, quoi. Et aujourd'hui, bah, je dessine pour Gotha, je dessine pour Lohan, donc c'est excellent. Je peux être modo, alors être modo, non, être modé, à mon avis, on y vient, petit à petit. Et je le sens arriver, quoi, depuis tout à l'heure. Je sens que ça ne saurait tarder. Ouais, non, je pense qu'il veut, ouais. Il veut. Non, non, oui, il veut de la modération, Black Boss. Voilà. 600, c'est gentil. Hein. Moi, je suis royal, quoi. Moi, je mets. Ah, c'est pour ça que j'ai des modos. Les modos, ils sont là pour être gentils avec vous, parce que c'est moi je fais des trop gros Théo, en fait. Et Razi, c'est la voix de la sagesse. Un petit 600 secondes, soyons gentils. Et coucou, Shiro Zoé, oui. J'étais même pas. Shirozi. Ah j'ai encore dit Zoé, mais c'est pas possible. Coucou, Shirozi. Je t'ai vu dire bonjour, comment ça va et tout, et je te dis pas bonjour, quoi, ça craint. Donc, j'ai fait mes deux retouches. Donc, il me reste mes deux emotes à faire. Je sais que dans les deux emotes à faire, j'ai un emote texte et j'ai un dessin. Le dessin, je le ferai plus tard. Je vais pas le faire parce que là, il me reste 10 minutes de stream. Pas de soucis, finis tes phrases. Bon, ça va, c'est gentil. Donc, je vais faire l'emote texte. Je sais même plus ce que c'est comme texte. Je vais lire la commande. I would like an emote that says Fight me with the color schemes white and light green. Thanks! No problem. Allez, je vais travailler sur ce petit emote texte et après on va se dire au revoir. Bah, je vais bien, je suis un peu malade, voilà, mais ça s'entend, je pense. Je pense que ça s'entend bien.
Sinon, à part ça, je suis impatient de la journée de demain. J'ai beaucoup de travail demain dans mon métier du jour. Vous savez que j'ai un métier du jour et un métier de la nuit. J'ai beaucoup de travail demain, mais j'ai des trucs. Je suis impatient de les faire en fait. C'est nul. C'est nul. Ouais, c'est la période des maladies, mais je suis rarement malade, alors ça m'embête, quoi. J'aime pas être malade, ça m'arrive jamais, quoi. Ça m'arrive jamais depuis... depuis 8 ans. Voilà. Il y a 8 ans, ça m'arrivait plus souvent d'être malade. Ça m'arrivait tous les hivers de faire bronchite sur bronchite sur bronchite. Et je vous laisse deviner ce qui a changé il y a 8 ans. Je pense que ceux qui savent devineront vite pourquoi je ne fais plus bronchite sur bronchite depuis 8 ans. Moi, je suis malade de la même manière chaque année, à la même époque. Mince, c'est pas allergique. Hein. Et ça a commencé cette semaine. Et il a arrêté le pastis, ce salaud. Non. Moi, oui. Ah oui, moi, mardi, j'ai encore un examen. Et puis vendredi, vacances, donc j'ai hâte. Oui, à ce compte-là, j'aurais hâte aussi. Non, j'ai arrêté la cigarette il y a 8 ans. Et la cigarette, c'était catastrophique. Hein. Il a commencé le dessin. Ouh là, non. Le dessin, j'ai commencé en 2015. Ça fait pas 8 ans. Dommage, j'aurais bien voulu. J'aimerais retourner à l'école pour avoir les vacances de Noël. Ben, c'est possible. Hein. Il faut faire prof. Hein. Élève, c'est mort pour nous. Hein, mais il nous reste encore la possibilité de faire propre de quelque chose. Je te dis mes félicitations d'âme. Eh ben, pas moi. Moi, je me dis pas mes félicitations parce que féliciter quelqu'un d'arrêter, faudrait plus l'engueuler d'avoir commencé. Donc, moi, je dis pas mes félicitations d'avoir commencé. Mais bon, ça va. J'ai quand même arrêté. Là, le matin. Alors, un vert clair, light green. On va pas trop le saturer non plus. Parce que si je le sature trop, ça fait vert fluo après. À mon avis, c'est pas trop ce qu'il veut. Donc je vais faire mes effets habituels. C'est vrai que pour le texte, c'est assez classique. Je fais toujours mes textes avec des techniques assez similaire. Vous avez l'habitude en force. C'est pas les parties les plus intéressantes des streams. Merci Mata. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'était comme ça. Mais tu as bien fait. Franchement, Mata, je sais pas pourquoi, mais je soupçonne. Je soupçonne pourquoi. Donc tu as bien fait. Je soupçonne. Ouais. La question de ce... J'ai même pas posé la question, Razi. J'étais persuadé qu'il y avait du MP derrière. Mais déjà, comme ça a commencé la discussion, je me suis dit, oula, cette personne, ça va mal finir. Allez, Gigo, bonne soirée, bon live à la prochaine. Ben, merci beaucoup d'être passé, Sangoku. Bon live à toi si tu l'as vu ce soir ou la semaine prochaine. Et je te dis ben, à très bientôt. Moi, mes PV sont bloqués. Ouais, moi, ils sont ouverts, mes PV. Et il faudra que je pense à les bloquer. Non, moi, je suis de l'autre côté car il a eu le courage d'arrêter de tenir le coup. Car il y a eu le courage d'arrêter, d'accord, ouais, parce que je comprenais pas la phrase, et de tenir le coup, car je sais que c'est pas facile, j'ai un père fumeur qui n'arrive pas à arrêter. Ouais, il faut arrêter au moment où on s'y attend le moins. Il faut pas se dire, allez, le mois prochain, j'arrête. Non, il faut se dire,
là, j'arrête. C'est pas le moment, mais peu importe. C'est justement, si c'est difficile maintenant, je vais commencer par du difficile, donc après, ça ne sera que plus facile. Et donc, moi, ouais, j'ai arrêté comme ça sur un coup de tête. Hein. Mais cash. Hein. Alors, bon, j'explique dans le Chenmodo ce que j'ai trafiqué avec les bots. Pas de soucis. Pas de soucis. Ta police, tu l'as créée? Non, c'est une police. Les polices que j'utilise, c'est vrai, ça serait excellent que je. Oh, que Coco, là, tu me donnes trop des envies de création de police. Il faudrait que je me crée ma propre police de caractère. Ah, mais ça serait royal, quoi. Ça serait royal. Les polices que j'utilise, c'est Turnstile, qui est une police qui est avec Clip Studio. Et j'utilise Grobold aussi, qui est une police qui a été réalisée par un. Ouais, on peut dire un artiste. Ouais, enfin, un graphiste. Voilà, un graphiste français. Et les droits commerciaux pour la Grobold sont de 50 euros. C'est pas cher du tout pour les droits commerciaux pour une police. Donc voilà, c'est les deux polices que j'utilise principalement. Et merci à Blackwing pour le follow. J'ai vu Black, j'ai eu peur, mais c'est pas le même. Va dans ton commissariat pour la police. Oh non, tu sors. Tu sors. Tu sors. Allez, je m'en remets à ma police de caractère, à ma fonte. Réduire. J'ai demandé une corde pour Noël, mais je doute que madame a compris où je voulais en venir. Réponse à Mata. Ouais, j'ai pas suivi. On va faire un petit vert foncé. Léger. Va te fournir le tabouret. Avec la corde, ouais, ça fait une belle équipe. Salut Benso. Je travaille en même temps que toi car je ne peux pas l'expliquer, mais tu arrives à me motiver dans mon travail. Mince! Tu vas perdre toute motivation parce qu'on arrive à la fin du stream en fait. On arrive à la fin. J'avais dit que je terminais à 19h grand maximum. Donc là, je finis cette emote et je vous souhaiterai une bonne reprise demain. Et on s'arrêtera là. C'est pas mal comme ça. On va rajouter des petits reflets dessus. J'ai dit reflet. Un reflet, c'est que plus clair. Voilà. Non, ça ira, j'ai presque fini. En plus, je suis un peu en décrochage, donc ça me soulage de voir que je peux être motivé encore quelque part.
Allez, je dois détendre le linge. Ah ben décidément. Il y a tout à l'heure, c'est Maruma qui est allé étendre le linge. Maintenant, c'est Orcro. Attention qu'il congèle pas pendant la nuit. Et bonne soirée Orcro, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. Et merci encore beaucoup pour le cheers, pour le sub aussi. Décidément, ce soir, tu as fait des folies. Et pour la commande. Donc, je te tiens au courant, bien sûr. En ce moment, j'arrête les sodas. C'est déjà bien galère. Ah ben, le soda, moi, j'ai arrêté. Je bois un soda par an, presque. C'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai bu le coca, j'étais surexcité. Mais ouais, je bois plus trop. Vraiment. De toute façon, les sodas, ça m'a jamais. Enfin, voilà quoi, c'est pas mon délire. Hein. Moi, je préfère la bière. Hein. Allez, on va sauvegarder celui-ci. Alors, il faut que je fasse la miniature pour Fiverr. Est-ce que ça, c'est une commande de Fiverr? Hop. Fait mes exports, donc c'est bien. Ce soir, j'aurai plus qu'un dessin à faire. 28, 56 et 112. Donc j'aurai plus qu'un dessin à faire et j'aurai terminé pour la semaine. Alors, je pourrais même peut-être faire une partie ou deux d'artefacts. Tiens. Salut Mysterak, ça va bien, je te remercie. Coucou à toi. Coucou à Razen aussi. Salut aux arrivants. Malheureusement, je suis sur le départ. C'est la fin du stream. J'étais donc sur le point de dire au revoir à tout le monde. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Alors, la semaine prochaine, je vais décaler les streams. Au lieu de faire les lundis, mercredis, vendredis, je vais décaler. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas là lundi. Donc, je ne serai pas là demain. Je serai là mardi, déjà. Voilà. Et après, je sais pas quand je serai entre mercredi et jeudi. Ça devient très compliqué de faire le planning parce que je change toutes les semaines. Il faudrait que je fixe un peu. Mais le lundi, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, je serai pas là demain soir, mais on se retrouve mardi soir à 22 h, à l'heure habituelle, pas à l'heure d'aujourd'hui. Et ce sera pour de la commande d'emote. Je travaillerai potentiellement sur les emotes de Loan mardi soir. Voilà. Et bien sûr, ce, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup à Mata et à Razi pour la modération. Et Mata, n'oublie pas, la prochaine fois, quand quelqu'un il demande, il te demande direct, cache comme ça ton âge. Normalement, tu as la sirène qui commence à tourner au-dessus de la tête. Et tu te dis, hop. Trolling coming. voilà. C'est en général les trolls ont souvent le même genre d'approche. Tu les détectes à 300 000 lieues à la ronde. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là plus nombreux que vendredi. En plus, c'était plus nombreux ce soir que sur le stream du vendredi. Donc merci beaucoup et on se retrouve donc mardi soir pour le prochain stream. Je vais lancer un raid chez Elkinou puisque moi je vais voir la fin de son stream. Je crois qu'il est encore là pour toute la soirée. Mais au minimum il est là jusqu'à 20 h. Si vous voulez continuer à chatter, ben, je serai sur le chat chez Elkinou. Donc voilà, j'envoie ça. Ben merci beaucoup encore et je vous dis à la semaine prochaine.
va bien. Mais non, mais on va, t'inquiète. Tout va bien, qu'il disait. Mais ouais, mais c'est bon.